Salut Bruno, bonjour Christian. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouPilot pour un vol proposé cet après-midi entre Lille et Bastia Poretta. En Airbus A320neo compagnie EasyJet. Donc bienvenue à tous pour ce vol. Donc actuellement on se trouve sur Lille, l'Esquin, en terminal B. Terminal B, porte Bravo 10, qui est ici. Et donc on a un vol en direction de Bastia, qui se trouve dans le nord de la Corse. Donc bienvenue à tous, et puis bah on va commencer notre vol. Sans tarder, on a un départ prévu en heure UTC, c'est midi 15, donc s'il nous fait 14h15 UTC pour le départ, donc on va pas traîner. Ça nous laisse exactement 30 minutes. Camortado, salut, bienvenue à toi. Ah, mince. Attendez, parce que du coup j'ai crashé. J'ai crashé, je vais relancer. Bienvenue à Paul également qui nous a rejoint. Salut à toi, joyeux SPAC. Je vais regarder dans le log. Ok, bon là c'est le simu qui a crashé. C'est pas le PC. Salut Romain. Bon, j'espère qu'on va pas prendre trop de retard. De toute façon, ça vous laisse le temps d'embarquer à bord de ce vol. Jolie route hein, depuis Lille jusque Bastia. On passera par survol de Reims, Troyes, Dijon, Genève, Turin, la ville de Gênes, notre descente sur Bastia Poretta. On a une belle météo aujourd'hui.
Là, vous avez la route. Et là, on a la météo. Et comme vous pouvez le voir, c'est très peu nuageux hein, sur le parcours. Et ça se confirmera sur, sur le Tempsi qu'on a récupéré ici. Voilà, donc pas grand chose à signaler sur la route. Au niveau des vents, on aura du vent d'est, a priori du vent d'est. On verra de toute façon sur le parcours si ça se confirme. A priori un léger vent qui vient de l'est. On va regarder en altitude. Ouais, en altitude c'est un vent qui viendra du nord plutôt. Salut Kevin, tu fais les routes avec quel logiciel? C'est Navigraph, non, c'est SimRiff pour la route, pour le plan de vol SimRiff. Et puis pour la cartographie, c'est Navigraph. Bon, bah on va relancer du coup, en espérant que cette fois-ci il n'y ait pas de problème. J'ai bien fait de dire de croiser les doigts pour pas que ça crache. Bravo. Ce sera bravo 11 pour la porte. Bienvenue Saïd, bienvenue à Samuel également. On verra sur la route si ça se confirme ce vent de nord. Pareil sur Bastia, vent de nord. Voilà, c'est reparti, porte bravo 11. On va connecter tout ça. Salut Anto. Anto qui nous signale beau temps sur Bastia avec beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Ouais Junior, salut à toi. Donc bienvenue Guillaume qui dit met un pull. Bon je pense que Ali il fait pas si froid que ça. Et Kevin qui demande le vol Réunion Maurice, ouais c'est noté aussi également. Ok, alors je vais relancer, il va où? Je vais pas regarder la température sur Bastia, mais... Hop, on repart. Bah, Guillaume en a craché dès le départ. Donc cockpit Airbus A320neo, on est en cold and dark. Je vérifie à l'extérieur. On est bien connecté au GPU.
va démarrer les batteries. Donc petit changement de porte, ce sera la porte Bravo 11 hein, pour que vous puissiez arriver sur le bon vol, sur la bonne porte. On va démarrer les deux batteries. Bonjour Jean-Michel. 13 degrés sur Bastia seulement. Bah, condition Kavok. Salut Léo. Comment tu fais pour mettre l'écran dans le cockpit? L'écran. Alors de quel écran tu parles? On a démarré nos batteries, donc on va se servir du générateur extérieur. Et avant toute chose, on va porter de l'éclairage dans le cockpit. Sinon, on va rien y voir. On va éclairer. Donc on a éclairé l'overhead, le PFD, le Primary Flight Display, le ND, Navigation Display, le FCU, Flight Control Unit, les ICAM. Les écrans et cam supérieurs, inférieurs, le pédestal, navigation display, primary flight display chez le copilote également, le FMC. Voilà. À partir de là, je vais faire des safety checks. Alors, mon parking brake, frein parking est bien serré. Spoiler en position retract, flap sur 0, mid throttle en position idle, radar météo sur off, landing gear en position down, ça se vérifie également ici, les essuie-glaces gauche et côté droit également en position off. Ah, tu parles de la tablette de l'EFB. EFB pour Electronic Flight Bag, sacoche de vol électronique. Ça c'est la version A3-2NX, donc tu l'as automatiquement sur la version A3-2NX de Fly by Wire. D'ailleurs on va charger nos données de vol. LFQQ, direction LFKB. Je vais sur l'overhead, on va vérifier notre panneau overhead hein, comme d'habitude. Donc on fait des flots de gauche à droite et de bas en haut sur Airbus. Donc moi sur un premier vol j'aime bien tester les commandes. Donc la commande d'appel d'urgence fonctionne bien. On va connecter l'oxygène dans les masques, le ground control, cockpit voice recorder test. L'alerte évacuation qui retentit bien. On va tout de suite aligner les 3 IRS de l'avion pour Inertial Reference System, centrale à inertie qui permet de positionner votre avion. Voilà, le voyant on-bat s'allume, il doit s'éteindre, ce qui doit indiquer le bon fonctionnement des IRS. Donc on les met en mode nav et pas sur le mode ATT qui est un mode dégradé. On se trouve dans l'avion en préparation, on va mettre les feux de navigation logo, no smoking sur on, emergency light, ça c'est le couloir, le chemin lumineux là sur le sol, position on, vérifié. Je le mets en position armée, on va vérifier les ampoules sur notre Airbus. Là vous voyez que tout s'allume comme un sapin de Noël. C'est testé, vérifié. Ici je règle. Donc là c'est écrit air conditionné, on règle pour la température cabine, tout ce qui est ventilation. Sur l'électrique, c'est ce qu'on a fait au début, les batteries, l'external power, l'hydraulique, fuel pump on touche pas, et on va faire les fire tests. On va vérifier ça avec les ICAM. APU fire test. Moteur numéro 1. Moteur numéro 2. Et un test détection cargo smoke. Parfait. Alors pour ce vol, voilà, le fuel truck est arrivé, il va pouvoir nous apporter notre carburant. Donc on va regarder sur notre OFP, Operating Flight Plan.
Donc on est Alpine 67 Delta Tango, 17 avril, départ Lille Lesquin, direction Bastia Porreta. Avec les informations météo du 17 avril, 12h, 15h, les observations à 6h. Call sign, donc Alpine 67 Delta Tango, motorisation LEAP, départ porte, midi 15 UTC, avec une arrivée estimée 14h10 UTC, ce qui donne 16h10 en heure locale. Un take-off weight 61 tonnes, un niveau de vol 360. Une distance sol de 595 miles et on a notre carburant juste ici. Donc il nous faut un total, un block fuel de 5458 kilos. Donc on va demander ça, 5458 kilos. C'est parti. Vérifiera sur l'ICAM évidemment que ça charge. Donc là il y a écrit refuel. Effectivement, on est en train de loader le carburant. On va se diriger sur notre FMC. Je vérifie les données data. Donc d'abord les IRS, elles sont en bon état de fonctionnement. Salut Johan, bienvenue à toi sur ce vol. Et on vérifie les données de navigation IRAC. Donc à 320, motorisation LEAP. Jusqu'au 20 avril, on est le 17, donc c'est bon. Les données de navigation sont à jour. Attends, je vais juste faire un petit test. C'est ça, c'est juste une vérification que je fais, c'est une parenthèse. Parce que vérifier si j'avais les données de vol pour l'FSB, IS-15 ou. Non, toujours pas, pas de. Ok. Parce que j'ai pas les stars sur les terrains de LFSB. C'est pour ça que je vérifiais. Donc, init press. Data request. Et là, on vérifie les données. Alpine 67 Delta Tango départ Lille direction Bastia avec un estimated time en route, temps en route estimé de 1h34 minutes de vol. Salut Nétal, bienvenue, welcome board. Donc 1h34 de vol. Je rappelle que le temps en route, c'est le temps juste à partir du décollage jusqu'au toucher au sol sur le sol de Bastia. On va vérifier les masses de notre avion qui est concordance avec notre plan de vol sur ce Lille Bastia. On aura donc 129 packs à bord, 2 tonnes 6 de cargo. Donc là, ce sera uniquement les bagages, 2600 kg de bagages. On n'aura pas de fret sur un vol EasyJet qui est un vol low cost, ce qui nous donne une payload de 1324. Donc cargo, c'est le poids du fret plus le poids des bagages, mais là on a pris que des bagages, donc 2600 kg. La payload, ce sera le poids des packs plus du cargo. Packs plus cargo égale payload à 13 tonnes 4. Donc on vérifie ici, ce qui nous donne un zéro fuel weight de 55 tonnes 9. C'est vérifié. Et le carburant, on a demandé 5 tonnes 5. Le pot de collage, 61 tonnes 3. Donc le poids au décollage, forcément, c'est le zéro fuel weight, le poids de l'avion sans carburant. Zéro fuel weight plus le carburant. Si vous faites 55,9 plus 5,5, ça donne 61,4. En fait, il prévoit de cramer 100 kg sur le roulage, sur le taxi sur l'île. C'est pour ça qu'on vous met 61,3. Page init request, LFQQ, LFKB, faut pas se tromper. COS index de 10 pour l'indice de performance. Cruise altitude niveau de vol 360 et la température, et bah pareil, je vais vérifier.
On va vérifier au top of climb quelle température il prévoit. Top of climb, il est là. Il prévoit moins 58 degrés. Donc je vais rectifier à moins 58. La tropopause, elle est à 35 840 pieds. Nous, on est au niveau de vol 36 000. En altitude 36 000, niveau de vol 360. Donc ça, c'est l'altitude à partir de laquelle la température ne baisse plus dans l'atmosphère. Donc on n'ira pas plus haut que le 360 sur ce vol. Ça sert à rien. J'aligne l'avion, les IRS sur la position actuelle. Position parking. Et on va passer au plan de vol. Bon, pour l'instant j'ai pas de contrôle sur l'île d'Esquin, donc on va se débrouiller avec ce que nous a donné Simriff, avec la route. Donc là on a un départ LFQQ piste 08 via la cible de départ Verma 6 Romeo. Donc départ piste 08 Verma 6 Romeo. Je vérifie et on rentre ça sur LFKB. Patient, on prévoit une arrivée piste 34 et la star d'arrivée ce sera Ligier Unité Romeo. Et la transition, on a une transition BTA, le dernier point avant le terrain BTA. On va faire LFKB, arrivée. Donc on va prendre une approche AirNav pour changer de l'ILS. Et la star, donc c'est Ligier Unité Romeo. Ligier Unité Romeo. Donc la transition, on a dit BTA. Bravo Tango Alpha. Donc arrivée AirNav 34, Ligier Unité Romeo via BTA. On va vérifier la route qu'on a rentrée. On passe en mode plan. Je dilate un petit peu l'échelle pour avoir plus de confort et on va vérifier donc notre route. Vérifier qu'il n'y ait pas de discontinuité entre les points et que ça correspond bien à la route au départ. Briefing départ, hein, donc on est terminal B en porte Bravo 11 sur l'île. On a un départ piste 08, ce qui nous prévoit un repoussage. Alors Bravo 11, Victor 2. Victor 2 c'est là. On va faire Victor 3 alors. Donc repoussage face ouest en direction de Victor 3, Victor 4, Victor 5. Tango 5 ici, point d'attente Tango 5. On remontera la piste 08, on fera un demi-tour sur la raquette pour s'aligner. Après faut voir parce que on a une piste de 2800 mètres. On pourrait même faire un départ Tango 5. En fonction du poids de l'avion, Tango 5, on a ouais 2215 mètres de piste, donc on va faire ça, on va faire un départ Tango 5 directement. Ensuite, notre SID a deux départs vers Verma 6 Romeo. Donc elle est ici, hein, donc c'est une SID AirNav. Ça, ce sont des points GPS que l'avion va suivre. Bon là ici, initial climb, montée initiale ce sera 7000 pieds, Verma 6 Romeo, piste 08. Montée 560 pieds, virage sur la droite 146 degrés. Et on traque le QQ602 et ensuite direction Verma. Donc décollage piste 08, cap au 146. Dès qu'on a atteint 560 pieds, cap au 146. Direction QQ602 puis Verma. Donc il n'y a rien de compliqué. Les minima 2000 pieds. Ce qu'il faut juste prévoir en cas d'incident sur le décollage. On va quand même juste prévoir si on a une panne moteur. Et eh bien on va prendre une. Il n'y a pas d'ILS sur la 08, bah, on prend la RNP Zoo. 08 ou la VPT.
On prendra... Il fait beau, conditions cavoc, on va garder la VTPT. Pourquoi? Pour en cas de problème sur le décollage. On fera demi-tour, on fera une vent arrière au 257 pour s'aligner visuellement sur la piste 08 de l'aéroport de Lille. Ça c'est en cas de problème au décollage. C'est pour ça que j'ai gardé, je garde cette carte là. En cas d'incident au décollage. Salut Mohamed qui demande un vol Paris-Monastir. Ouais, on note les vols proposés. Attends, je vais noter. On a pas mal de vols proposés. Donc je note. Donc là on a bien la contrainte 560 pieds, le point Q ici en 2, direction vers bas. Donc ici c'est vérifié sur notre départ. Ensuite on a tous les points de navigation. On a la transition du PTA. Et notre descente sur l'FKB Bastia Poretta. Donc pareil hein, pour le pour l'arrivée. Ah oui, BTA il est ici, c'est pour ça que je ne voyais pas. Donc on vérifie notre arrivée qui est prévue. Donc voilà, transition BTA sur Bastia. Ensuite on rejoint visiblement donc BTA Copa KB404 et on s'aligne après Copa KB404 et on vient s'aligner piste 34 visiblement vu le vent nord qu'on a sur Bastia, c'est ce qui était prévu. Bon, moi la route me convient, c'est parfait, on va pouvoir la valider. Regardez comme ça. On passe aux performances sur ce vol et là on va servir du calculateur. Donc on est sur Airbus A320. Longueur de piste, on a vu qu'on avait 2200 mètres. Puisqu'on va partir Tango 5. On va voir si on va servir le calculateur. Et lui nous donnera les données. Alors le terrain de l'île, 150 pieds au-dessus de la mer. Donc on va mettre l'altitude, 157 pieds. J'ai besoin du métar météo. Pour Lille, alors Lille, Métar Auto du 17 avril à 11h UTC, donc 13h local. Les vents 140 degrés, 5 nœuds. Conditions cavoc, température de 16 degrés à Lille et un QNH 1024. Sur Bastia, on a des vents 16 nœuds, visibilité 10 km, quelques nuages. 17 degrés sur Bastia actuellement avec des rafales à 25, effectivement un petit peu de vent. Take off weight il est de 61 251 tonnes 2. On va décoller flaps 1, pas d'anti-ice puisque j'ai une température supérieure à 10 degrés et la piste elle est sèche. Donc il nous a calculé une vitesse V1 à 126 nœuds, ça c'est la vitesse de décision. Au-delà de cette vitesse, on décolle quoi qu'il arrive. Et en cas de problème moteur ou autre, on peut s'arrêter avant cette vitesse, avant d'avoir atteint la V1. La rotation, vitesse de décollage à 137 nœuds. Et la V2, vitesse de sécurité, pour pouvoir voler avec un seul moteur à 140 nœuds. 126, 137, 140. L'altitude de transition sur départ Lille... Transition level 5000 pieds. 5000. Thrust réduction accélération. On va faire la procédure anti-bruit classique 1500-3000 plutôt. Donc on va grimper à 1500 pieds d'altitude. Je ferai une réduction des gaz. On passera sur le mode climb. Et 3000 pieds, il passera en accélération. Ensuite, on a un décollage en. Il nous a calculé donc pas un toga. Donc même avec 2200 mètres de piste, avec le poids de l'appareil pour estimer, on a un décollage flex 53 degrés.
Donc on va décoller sur le cran flex et non sur le mode toga, la poussée maximale. Comme ça, ça permet de préserver un peu les moteurs. Voilà. Et on décolle en configuration flaps 1, take-off, puis 0,8. Performance, on est bon. En radio-navigation, donc c'est une cidernave, hein, donc il n'y a pas de vore, etc. à rentrer. Hein. Par contre, en cas de problème, comme on a vu au décollage, on va peut-être rentrer le vore de Lille, Lima, Eco, Québec. Donc ça, ce sera en cas de problème. Lima, Eco, Québec, je vais le mettre ici. Et puis, on mettra le cap orienté, donc 77 degrés. Voilà. Bon, le plein en carburant est fait, c'est l'OD équilibré. Électrique, on est bien sur l'external power pour l'instant. Pression de cabine sur auto. Alors, on a rempli la page init alpha, init A, on va sur l'init B, init bravo. On a 5 tonnes 5 de carburant. 5 tonnes 5. Le trip wind, le vent moyen sur le parcours, on avait vu qu'en altitude le vent venait du nord. Effectivement, on aura plus 32, puisque nous on va dans le sud, donc ça va nous pousser. Donc on aura plus 32 en moyenne. Ça va peut-être nous permettre de gagner un petit peu de temps. Salut Simon, qui demande dans quel type de seed tu auras des vores, etc. En fait, là, quand tu regardes, c'est une seed AirNav. Donc AirNav, c'est-à-dire que c'est la radio-navigation, enfin, c'est des points GPS. Hein. Après, tu as d'autres seeds. C'est des seeds conventionnels. Et là, tu te sers de vore. L'avion les suit, il peut les suivre également de manière automatique grâce à l'autopilot. Mais c'est basé sur des vores. C'est-à-dire que si tu prends... si t'as pas le GPS, etc., tu pourrais t'orienter à l'aide de vore. Alors que là, on n'en a pas. Là, c'est vraiment le guidage satellite. Donc, vent moyen plus 32. On vérifie 0 fuel weight à 55 tonnes 9. Et là, on va rentrer les données carburant. Donc, on a vu que sur le roulage Lille, le taxi prévoit 115 kg, donc ça nous fait 0,1 tonne. Le délestage, c'est ce que vous allez consommer sur votre parcours. Lui, le calcule à 3 tonnes sur le FMC. Là, il est calculé à 2900 kg, donc on a vu 1h34 de vol. On prévoit une réserve, là, un contingent de 154 kg, ça c'est la réglementation. Ensuite, aéroport de dégagement, c'est Rome, prévoit 1 tonne 5 en cas de s'il fallait rejoindre l'aéroport de Rome, et une réserve finale de 838 kg. Donc ça fait 0,1 plutôt, 1,5 et 0,8. Voilà, donc avec le bloc fuel de 5 tonnes 5, si on déduit les valeurs là, il nous reste on nous reste rien, il nous reste même moins 1. Donc moi, comme j'aime pas avoir un solde, un delta négatif, et ben je vais mettre 1 tonne 4. Je vais l'ajuster à 1 tonne 4, comme ça, voilà, là on a un delta de 0. Donc si vous prenez 5 tonnes 5 et vous déduisez 0,1, 3, 0,1, 1, 4 et 0,8, ça fait 0. Delta de 0. Donc on a pile le carburant prévu ici. Ni plus ni moins. Je vais verrouiller le cockpit. Alors j'ai pas de contrôle sur l'île actuellement. Je vérifie quoique. Ah si. « 128, 105. »
Bon, désolé, du coup, on prend un petit peu de retard. Sachant que le contrôle aérien peut nous changer notre départ. Si demain on va choisir la ville gauche, Air France 15 ou le novembre. Air France 0 novembre, reçu, poursuivez, Tango 3, ça sera donc la 5 Bravo. Pardon, 5 hôtels. 5 hôtels et Tango 3 pour le point d'attente, merci beaucoup Air France 15, Zulu novembre. Pareil contrôle, bonjour, Alpine 67 Delta Tango avec vous. Actuellement sur l'île, porte Bravo 11 pour une 46 FR sur Bastia. Bonjour, répétez une indicative. Alpine 67 Delta Tango. Alpine 67 Delta Tango, bonjour, piste 08 et départ vers Massis Comeo, transpondeur 4177 niveau 80. C'est pris, départ piste 08 vers la 6 Romeo, transpondeur 4 unités, 7 unités, montée initiale 8000 pieds, Alpine 67 Delta Tango. Correct, bien, très, 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 il nous a pas changé le départ vers Massis Romeo, c'est bon. Il nous a donné un code transpondeur 4 unités, 7 unités et montée initiale 8000 pieds. On va l'entrer. Si, si, Johan, pour le carburant, en fait, là, les marges elles sont là. En fait, là, ça c'est le délaissage jusqu'à Bastia. Là, t'as une réserve. Là, t'as une autre réserve pour rejoindre l'aéroport de dégagement et une réserve finale. Donc, en fait, c'est compris dans le bloc fuel tout ça. Si on avait que le carburant pour Bastia, on aurait pris que 2900 kg. Ce que, évidemment, on ne fait jamais. On va régler le QNH local 1024. J'active les contraintes de vol. Mode ARC ici. Le VOR numéro 2 en cas de problème. Montée initiale 8000 pieds pour l'initiale. Contrainte de vol, VOR 2. Départ, je vais garder. Je vais garder l'approche visuelle en cas de problème. Voilà. Je préfère garder ça pour l'instant. On va pouvoir démarrer notre APU. On a fait le plan en carburant. Seatbelt on. APU master. 3 secondes, 1, 2, 3, APU start et l'APU a démarré. Salut Saïd, demande un Paris Moroni. Donc je note vos vols proposés, puis dès que possible. Alors là, Jonathan, on va sur Bastia aujourd'hui. L'APU démarre, la température augmente, la température EGT. Donc l'APU va pouvoir nous fournir ensuite l'électricité et de l'air dans les moteurs. Donc notre avion va devenir autonome en énergie. QNH réglé, 1024, l'altitude T1 vérifiée. APU available. On va pouvoir activer l'APU bleed pour avoir de l'air en cabine et dans les moteurs. Et vu qu'on est devenu autonome grâce à l'APU, on va pouvoir se débarrasser du GPU, Ground Power Unit, External Power. Je le retire ici et on peut lui demander de s'en aller.
vous avez 61 tonnes qui vont s'envoler très bientôt. On peut activer les pompes carburant. On va déconnecter la passerelle. Je vais faire la pré-start checklist. Pré-start checklist. APU master, APU bleed check on, external power check off, IRS 1-3-2 aligné, no smoking, seatbelt position on, emergency light position armée, fuel pump gauche à droite, on vient de faire push on, ATC clearance received, FMC complete, on a tout rempli, init A, init B, plan de vol, performance, radio nav. FMC complete. Doors check closed. Pre-start checklist complete. On demande à la tour notre autorisation pour repoussage et démarrage. 15 le novembre à 12h, hein, c'est ça? La France 4501, nous avons été push approuvés face à l'ouest. Nous avons été push approuvés face à l'ouest. Alpine 67 Delta Tango, on est prêt pour le repoussage et démarrage moteur. Ils ont été bouche approuvée, quand prêt, roulez Tango 5, point d'attente piste 08. On repousse et point d'attente Tango 5, piste 08, Alpine 67, Delta Tango. Des câbles. Corsair 924, montée niveau 270. Montée 270, Corsair 924. Air France Alpha Québec, on est prêt à rouler. Répétez l'indicatif. Air France Alpha Québec, on est prêt à rouler. La France 15 avec Québec, roulez Tango 3, piste 0, but et gauche, le Tango sur proximité, à gauche et gauche, novembre. Tango 3, Tango proximité, écho novembre, Tango 3, France, Québec. Alors, c'est 43-20, encore une fois, Tango 2, mais ici, excusez-nous, prêt pour copier la QNCFR avec le consommage. Et quoi ce pushback? Beacon, set on, donc ça c'est la balise pour prévenir au sol qu'on va démarrer nos moteurs, c'est-à-dire le petit feu ici. On commence moteur numéro 2, engine start position start, master 2, set on. Relâche le frein de parc. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in CO will start in the sequence. Gentlemen, a very good day. It's a pleasure to have today on board your captain of this flight. I hope you're sitting comfortably on board. Wish you already a very good stay with us today. Meine Damen und Herren, einen sehr schönen guten Tag. Es ist ein Vergnügen, Sie heute an Bord zu haben, Ihr Kapitän auf diesem Flug. In der Zwischenzeit darf ich Sie schon wohl bei uns an Bord fühlen, wünsche Ihnen einen sehr angenehmen Flug. Was moteur numéro 1, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je suis votre commandant à bord. J'espère que vous êtes déjà confortablement installé à bord avec nous. Vous êtes un très bon séjour à bord. Good day, ladies and gentlemen. Also, on behalf of the cabin crew, I'm pleased to welcome you on the Swiss and Star Lines flight to Dunbar, Croatia, to America, and stay on board.
Make sure that all your electronic devices are either set to flight mode or completely switched off. We are happy to have you as our guests and wish you a pleasant stay aboard. Meine Damen und Herren, bitte vergewissern Sie, dass Ihre elektronischen Geräte entweder im Flugmodus oder komplett ausgeschaltet sind. Es freut uns, dass Sie unsere Gäste sind und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Mesdames et Messieurs, veuillez vous assurer que tous vos appareils électroniques sont mis sur mode avion ou complètement éteint. C'est un plaisir de vous avoir à bord et nous vous souhaitons un agréable vol. Parking brake set. Parking brake set. Ground start-up is complete. You may disconnect. Roger, good engine start, clear to disconnect. Merci pour le repoussage. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. Donc il va se déconnecter de la roue de l'avion. Il va nous faire un petit signe comme quoi il est bien déconnecté, comme ça on pourra effectuer les flight control. Ok, on vérifie nos paramètres. Paramètres moteur, on est bon. Bleed, check. Pressure, auto. Électrique, check. C'est bien les génératrices des moteurs 1 et 2 qui alimentent mon avion, qui recharge mes batteries. On va pouvoir se débarrasser de la PU. Hydraulics, 3 circuits ouverts, c'est check. Fuel on board, 5 tonnes, 5. La climatisation qui fonctionne grâce au moteur. Doors check closed, brake température, la température des freins est bonne, flight control. Alors là je vais regarder le centre de gravité de l'avion, il est à 25,3. Il va falloir régler le trim 25,3 à 1. Ça nous donne 1,7 en position up. Ok, donc on va pouvoir le rentrer ici. Up 1,7. On va faire donc nos flight control. On va régler le trim du coup. Donc le trim c'est le stabilisateur ici, hein, que vous avez ici, qui est réglé en fonction du centrage de l'avion. Donc là c'est en up en position 1,7. Voilà, up 1,7, flight control, full down, full up, neutral, full left, full right, neutral, rudder, rudder right. Ah voilà, on fait bien de vérifier les commandes de vol. Puisque mon palonnier n'est pas branché, donc vous voyez pourquoi c'est important de faire les checklists. Rudder right, rudder left, neutral. Flight control check. Spoiler en position armée, engine start position norme, on décolle flaps 1, un cran de volée. On va faire l'after start checklist. Ground spoiler check armé, flaps 7 for takeoff, flaps 1, APU bleed, APU master check off, anti-ice not required, on n'en a pas besoin, flight control check free, taxi light on, on est prêt au roulage. After start checklist complete. Donc on roule Victor 3, Victor 4, 5, point d'attente Togon 5, piste 08. C'est parti. Top chrono. Part de la porte avec 20 minutes de retard.
Donc départ piste 08, briefing décollage, QLH réglé 1024, rudder sur 0. Rotation 137 nœuds. Donc on décolle 560 pieds, on a un virage à droite sur le track 146. On a une procédure anti-bruit 1500-3000. En cas de problème au décollage après take-off, on fera une vent arrière pour venir s'aligner à nouveau sur la piste 08. Salut Alex. En cas de problème, donc on suivra cette approche visuelle puisqu'on a des conditions météo CAVOC. Rouler, je sais pas ce qu'il fait. D'accord, c'est copié, Michael, ça merci. Quand c'est quelqu'un avant 3 ans, problème. Négatif, négatif, c'est bon, on roule, quand c'est quelqu'un en 3 ans. KLM 4500, nous sommes prêts au repoussage. KLM 4500, mise en route pour prouver face à l'ouest. Mise en route et repoussage à face à l'ouest, KLM 4500. La France 15 passe à Québec, à droite la trame, montée niveau 250. Droite la trame de 250, donc on est connecté sur le réseau IVAO, le réseau de contrôleurs aériens, qui va nous fournir les autorisations, les clearances pour le départ. 1h34 de temps en route sur ce vol. Donc c'est point d'attente Tango 5 pour nous. Là vous voyez les panneaux de signalisation. Donc l'écriture jaune sur fond noir, c'est la voie où on se trouve. Donc là actuellement on est sur Papa 3. Et l'inverse, là l'écriture noire sur un fond jaune, c'est les voies qui suivent. Donc là j'ai Tango 4, donc c'est pas celle-ci. Donc on poursuit, ce sera la prochaine Tango 5. Alex, non, pilote Flight Simulator uniquement. Salut Anthony. Salut Lubrifion également. Petit aéroport Lille. La France 4501, montée niveau 190, tournée à droite, direct RXU. 190 à droite et direct RXU pour la France 4501. Je fais la prépa take-off, radar météo sur ON, predictive wind shear. La Paris 67 Delta Tango, vous avez besoin de remonter la 08. Négatif, un poids d'attente Tango 5 suffira pour notre départ. Paris 67 Delta Tango 2 Tango 5, à niveau piste 208, autorisé décollage en 0,80 degrés. On sait une piste 08, autorisé décollage Alpine 67 Delta Tango. On est autorisé à s'aligner depuis Tango 5 directement. J'ai bien fait de commencer la prépa take-off. On fait à 43-20, ligne niveau piste 07, autorisé décollage, 100 degrés, 10 nœuds. Ticas on, autobreak maximum. On fait à 43-20, autorisé décollage, soit 07, on vous remercie. Pack 1 et 2, cabine advised, strobe light on, take off checklist. La France 285, on est prêt à la mise en route de repossage. Dégagez à droite. La France 285, alors j'ai un principe derrière vous, qu'est-ce qu'on savoir repousser depuis 5 minutes, je vous rappelle. Clear left. Take off checklist. Weather radar, 7 on, wind shear 7 auto. La France 950 de Tango 2, ligne niveau piste 08 gauche, 100 degrés 9 nœuds, autorisé décollage, piste 08 gauche. 7 normal. Autorisé décollage 08 gauche, Air France 950. Ticas, TARA. KLM 4500, vous êtes en train du délai pour le repoussage. Autobreak 7 maximum. KLM 4500, faut plus vite, mais la better push back est un peu lent. Take off config. Normal. Take off checklist complete. Autorisé décollage piste 08.
landing light on. C'est parti. 50% de poussée. On attend que les moteurs se stabilisent. Top chrono. Frein de parking, poussée décollage. Thrust 7. Flex 53 degrés. SRS. Nav blue. Auto thrust blue. Unread note, c'est check. On fait les 41 Mike Alpha, on est prêt, oui. On fait les 41 Mike Alpha, on est prêt, attends, piste 07. Rotate. Repop, attends, plus quitte, en fait, piste 07, François, les 41 Mike Alpha, merci. Positive climb, gear up. Virage au 146, 1500 pieds, climb thrust. Climb thrust 7. Taxi light off, pack 1 et 2, activé. Spoiler disarm. Arbres. 3000 pieds, on va passer en accélération. Je baisse le nez de l'avion. 5.01, montée niveau 330. Autopilot. Autopilot engagé. 330, France. Flat speed. On passe à speed. Flaps 7.0. Comment c'est qu'à 43 identifié, montée niveau 190. Comment c'est qu'à 43 ans, on monte 190. Alpine 67 Delta Tango, 4000 pieds en montée vers 8000 pieds. Alpine 67 Delta Tango, identifié, passant 4500 pieds, montée niveau 360, direct Bigelow. Bigelow, pardon. Niveau 360, direct Bigelow, Alpine 67 Delta Tango. France 950, identifié, donc c'était comme autorisé. 360, on a passé 5000 pieds. Monsieur, on est standard. Sur quel niveau, France 150? Niveau 100. Monsieur, montez votre 100 à France 150. Et on a un direct sur le point Bilbo. Bilbo, direct. France 15 à Québec, il y a 4 leaders. C'est 4 leaders, France AV. On est en montée vers le 360, 4000 pieds en vertical speed, mode climb, mode nav pour la navigation verticale. L'avion suit bien sa route, on a un direct sur le point Bigelow. Air France 950, on est à droite, direct TLU de montée de niveau 180. Direct à droite, direct TLU de montée de niveau 180. Ça va aller monter un mec à 100, on est prêt. Entre les 41 Mike Alpha, ligne niveau piste 07, autorise le décollage en 100 degrés, 8 nœuds. Enfin, ligne piste 07, autorise le décollage, France sur les 41 Mike Alpha. KLM 4500, nous sommes prêts au rouage. KLM 4500, roule des Tango 3, point d'attente, piste 08 gauche. Nous roulons pour la pente 08 gauche par Tango 3. On a passé 10000 pieds, landing light off. Climb checklist. Landing gear check up. Flap 7-0, spoiler retract. QNH. On fait 4320 à gauche, direct de la trame, t'es niveau 370. Landing light off, seatbelt off. On tourne à gauche, direct la trame, niveau 370. Climb checklist complete. Prêt à la mise en route et au repoussage, Air France 4159. France
4159, mise en route et push approche de face au nord-ouest sur Alpha 500 horaire. Face nord-ouest sur Alpha Air France 4159. Salut Julien, merci beaucoup. Alpha 41 Mike Alpha, direct Bubli, on monte au 370. On a décollé il y a 58, bonjour, vous concernez le niveau 190 pour en liaison action. Alors, il m'a proposé une route en face, on va plutôt prendre le 350, vous voulez que je relance le plan de vol là, ou on peut s'arranger? Je vais vous envoyer une nouvelle route après. D'accord, je vous fais ça et je vous rappelle. On a décollé avec 16 minutes de retard. Donc départ 20 minutes de retard et décollage avec 16 minutes de retard. Air France 45 confirmé, bravo Oscar 603. Merci Coco. Bon voilà toi également. Niveau 290. Sobald wir unsere Reise. Niveau 290, Air France
Bitte haben Sie die Möglichkeit, exklusive Maßnahmen zu machen. Minute de la CTR pour 8. Pour intérêt le circuit en piste 12 depuis l'article 1, 1400 pieds. Octo Golf Zulu Delta, numéro 1, appelé final piste 12. Pour des raisons de sécurité, numéro 1, final piste 12, Rex Fox Delta. Dès que nous aurons atteint notre altitude de croisière, nous commencerons notre service. Plus tard, vous aurez la possibilité d'acheter des articles de réputation mondiale parmi la sélection que nous vous proposons de notre vente à bord. N'hésitez pas à vous adresser à un membre de l'équipage pour toute information ou question supplémentaire. Bonjour, Finland 15 novembre à De Gaulle, porte Fox 68, demandons donc mise en route IFR à destination du Luxembourg. On fait route vers Reims. Finland 15 novembre, bonjour, je vous rappelle. Bonjour, on dit à France 3456 en Tango 32, on est prêt à mise en route sur tout ça, j'ai clairement sa destination d'Ajaccio. La France 3458, bonjour Tango 32, mise en route et push approuvée face à l'ouest, la trame 9 Eco. La trame 9 Eco, mise en route et repoussage approuvé face à l'ouest, à France 3456. Quoi? La France 285, on est quoi pour le roulage? La France 285, roulez Tango 3, piste 08 gauche, la Tango Alpha Unité. On roule Tango 3, 08 gauche, la Tango Alpha Unité, la France 285. La France 15 Alpha Québec, descente de Cambrai, niveau 170. Non, Joanne, pour le contrôle aérien, c'est le réseau IVAO, c'est gratuit. IVAO. Tu vas sur le site IVAO France. La France, 15 Alpha Québec, pareil. La France, 15 Alpha Québec, vous confirmez que vous êtes au niveau 250. Oui, je confirme, on va être à débuter à descendre à 190. Alpha Québec, reçu, là, c'est l'altimètre en standard, descendez qu'en près, niveau 170. Et qu'en près de 190, pardon, on a oublié le calage. C'est le niveau 170, quittez 70. 170, pardon, de la fête. Le train 60, c'est Delta Tango, il me faudra un niveau 1 pour le reste du vol, ou c'était le niveau 370 ou bien 35. On serait preneur du 370 Alpine 67 Delta Tango. Alpine 67 Delta Tango, très bien. Direct Dijon Delta, Juliette Lima, montez niveau 370. Direct Dijon 370 Alpine 67 Delta. France 950, contactez Brest 119, décimal 8 de 5 en 20. On va monter un peu plus haut. Contactez Brest 119, décimal 8 de 5 à France, 250. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir, 145 0, contactez Bordeaux 25 en 20. Contact Bordeaux, merci beaucoup pour le contrôle. C'est bon, je vous rentre bientôt. Paris, hello, easy 117 Express, 320 Neo, Info West, 8, QNH 10, 22, je passe à Bordeaux. Ouais, Joanne, t'as une couverture mondiale sur IBAO. Easy 117 Express, bonjour, Tomai. Salut Tony, bienvenue à toi. Et roulage Air France 41-59. Air France 41-59, roulez Tango 3, piste 08 gauche, il y a novembre. Tango 3, 08 gauche, il y a novembre, Air France 41-59. Air France 285, alignez-vous piste 08 gauche, 110 degrés du nœud, autorisé décollage. On t'aligne au décolle du 08 gauche, Air France
Donc là, il nous a donné un direct sur Dijon directement, donc ça va permettre de gagner un petit peu de temps. 1-1-7-X-Ray, bonjour. Lima Golf, Lima, 1 Vector Departure, on est 1-2-5-1-6-1. Et surtout rattraper notre retard. Donc Dijon, il est à 126 000 nautiques, on atteindra 13h11. Lima Golf, Lima, 1 Vector Departure, squawk 1-5-1-6-1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 
Bien vu, j'ai oublié de le retirer, excusez-nous. Air France 4159, Tango 3, ligne niveau piste 08 gauche, autorisé décollage, vent 110 degrés, 4 nœuds. Autorisé décollage 08 gauche, Air France 4159. Flight level 130. 130, Air France 007. Fox Lima Papa 10, vous comprenez la pension sur Bobet du coup. Rentrez, Fox Papa, on rentre par Whisky sur Bobet, on vous rappelle. Fox Lima Papa 10, reçu que sur Bobet 10-22, rappelez 2 minutes de Whisky restant dehors des classes Alpha. 10-22, on rappelle Whisky. La France 34-58, ma faute, transpondeur 1000. Transpondeur 1000, la France 34-58. François 40, Termac Alpha, la suite autorpo 128, au revoir. 128, François 40, Termac Alpha, au revoir. Corsic 43-20, changement de fréquence approuvé, à bientôt. La France 34-58 identifié, montée niveau 190. On poursuit niveau 190, la France 34-58. La France 41-59 identifié, montée niveau 190. Niveau 190, la France 41-59. La France 285, vous confirmez le direct est à mot. Affirme, direct est à mot, France 80. F1007, vector for the ILS 09 left, turn right, heading 110. Roger, vector for the ILS 07 left, turn right, heading 110, F1007. Direct Latra. Droite, direct Latra. En 34-58, merci. La France 41-59, on est à la droite, direct Edo Crin, montée niveau 270. Direct Edo Crin, niveau 270, France 41-59. La France 007, c'est une flight level avec 0. C'est vectorisé, on va faire. France 4308, direct Banox. Direct Banox, c'est France 320 pour la mise en route et le pushback, s'il vous plaît. La France 320, Fox 80, mise en route et push approuvé face à l'ouest. Vers l'ouest pour la France 320, merci. La France 1389, mise en route au pushback également. La France 1389, mise en route et push approuvé face à l'ouest, ligne centrale. Face à l'ouest, ligne centrale, la France 1389. Au Blue Delta, la descente générale, à bientôt. Fox Lima Papa 10, vous avez quoi en QNH actuellement? QNH 10-22, Papa 10.
Papa 10 au niveau de transition 6-0 et la petite de transition 5000, transpondant, pardon, le QNH en standard, s'il vous plaît. Je peux répéter, s'il vous plaît, j'ai pas entendu. Je m'en prie. Ouais, Johan, c'est... j'ai commencé avec les premiers Flight Simulator et puis après j'ai continué. La France 34-58, montée des niveaux. FS 2020. On poursuit vers le 360, la France 3458. Je comprends le niveau, 370. Et correction, 370, la France 3458. La France 4320, demande de changement de fréquence pour Marseille Centre, s'il vous plaît. La France, pardon, merci à 4320, je vous ai appelé il y a 5 minutes. Après, vous avez de la chance, c'est Marseille qui vient d'ouvrir, c'est pour la 3875, au revoir. C'est entré en contact Marseille Centre, merci de vos contrôles, bonne journée à vous, au revoir. Au revoir, je confirme 123 805, autant pour moi. 123 805, et pour la Corsica. La France 41-59, direct est à vous, montée niveau 330. La France 41-59, direct Etamo, montée niveau 330. Direct Etamo, niveau 330, Air France 41-59. Bah Joël, je te disais, j'avais commencé avec les premiers Flight Simulator. Je n'ai pas dit, attention, vous êtes 600 pieds au-dessus de l'altitude maximum pour le VFR. La France 007, descend 4000, connect 10 to Bluetooth. Make the 4000 feet, QNH 10 to F1 0 2 La France 4308, prêt pour la descente. La France 4308, descendez niveau 110, stable le Banox. Niveau 110, la France 4308. J'ai poursuivi avec jusqu'à FS 2020 en fait, donc ça fait un petit moment que je suis dessus. Fait route vers Dijon et puis prochaine ville ce sera Genève. Genève les Alpes avec une, la vallée d'Aoste après juste derrière avec une météo dégagée. Sur Flight Simulator ils ont des petits problèmes de connexion en ce moment. Donc j'espère qu'on aura quand même une jolie vue. Holding point between the runway 1-2, we need to complete the backtrack very soon. FM007, Adi Shalik, intercept aerial approach runway 09 left, cleared final approach. Roger, good heading, intercept ILS 01 left, and re-reply established FM007. Là, vous voyez la ville de Dijon ici. La France 34-58, on est à gauche, direct Utuva. À gauche, direct Utuva, la France 34-58. La France 33-08, autorise approche Banox 6 Echo qui date de la 8 droite. Autorisez Banox 6 Echo pour la 8 droite, Air France 43-08. À droite Tango Fox 3, Echo Novembre, point d'attente Tango 3, 08 gauche. Tango 3, 08 gauche, par Tango Fox 3, Echo Novembre, Air France 320.
AG117XRA, Whitehead for the Whiskey holding point. By an open backtrack, runway 12, report fully ready. Sorry about that, via November, we backtrack and report 200. Nothing then, 15 novembre. Pour Nothing then, 15 novembre, demandons une route à destination 1000. Ah oui, non, il fallait m'appeler peut-être un peu plus tôt, je ne voudrais pas oublier. Bien, Decal 5 Hotel, piste 08 gauche et transpondeur 1000. Decal 5 Hotel, piste 08 gauche et transpondeur 1000, Airman 15. Ouais. Semaine 15 novembre, mise en route et push approuvée, face nord. Mise en route et push approuvée, face nord, la semaine 15 novembre. Air France 389, on est sur roulage 09 droite. 1389, roulez pour la pente 09 droite, via Delta. Via Delta pour la pente 09 droite, ouais, Delta 3, c'est... Alors, on fait route vers Genève et les Alpes en face. Maintenez le niveau 110, vite la fibre. Niveau 110, vitesse libre, la France 4308. Fox de Lima Papa 10, vous êtes autorisé à pénétrer la classe Delta de Beauvais. Rappelez finale piste 12, numéro 1. On rappelle finale piste 20, c'est ça, vous confirmez? Piste 12. Pas le pistolet. Oui. Et du coup, on devrait basculer sur Marseille Control dans pas très longtemps. Salut Aurélien. Ouais Laurent, il faut toujours avoir ta bouteille d'eau à côté de toi, effectivement. Le Pike 67 de la Tango, contactez Marseille 123-805, comment? Avec Marseille 123-805, Alpine 67 Delta Tango, merci pour l'excellent contrôle, très bon week-end. Allez, Marseille contrôle, c'est parti. 123-805. Marseille contrôle, bonjour monsieur, Alpine 67 Delta Tango, avec vous, niveau de vol 370. Alpine 67, Delta Tango, Marseille, bonjour, identifié, continuez comme autorisé. Roger, Alpine 67, Delta Tango. Ouais, Orelsan, quasiment comme en vrai. Donc là, on poursuit vers Genève.
Cédric qui demande pourquoi. Air Algérie 1123, contactez Marseille 126, décimale unité 55. Au revoir. Pourquoi on croise pas d'autres avions si on en croise. La suite avec Marseille Sud. Merci pour votre service. Et sur le réseau IVAO, t'as plein de vols partout. Mais là, ils sont un petit peu loin de notre position, c'est pour ça que tu les vois pas. Tu peux les croiser au sol ou en croisière aussi. Là, c'est qu'ils doivent être un peu loin de notre position. D'ailleurs, tous les pilotes que tu entends à côté, en fait, c'est d'autres appareils. Control, bonjour, Young Street 56 inbound Ninum, flight level 360. Sterling Street 56 Marseille, bonjour, direct Molus, Mike, Oscar, Lima, Uniform, Sierra. Young Street 56, direct Molus, Mike, Oscar, Lima, Uniform, Sierra. De Lyon, on arrive niveau 140, bonjour monsieur. Mirabel 17, Sierra Lima, Marseille, bonjour, direct Val-Q et montée niveau 290. On commence à avoir un petit peu de relief. Vous pouvez confirmer la directe, s'il vous plaît. Mirabel 17, Sierra Lima, direct Val-Q, Victor, Alpha, Lima, Kilo, Uniforme. Redirect Val-Q, Mirabel 17, Sierra Lima. Wing Street 56, confirme direct Molus. Wing Street 56 is already direct to Molus. Okay, thank you. That was just for confirmation. The last communication was blocked. Okay. Faudrait regarder si on a réussi à gagner un petit peu de temps déjà en vol ou pas. Et puis commencer à regarder pour le début de descente. C'est à 43-20, contactez Marseille, 126, décimale unité 55. Au revoir. Et on contacte Marseille, 126, décimale unité 55, accroché 43-20. Merci pour votre contrôle, au revoir, bonne journée. Non, non, bien sûr, Laurent, c'est en direct, hein, les voix, c'est un réseau de contrôleurs aériens. Il va où ? Il semble qu'on n'est pas loin du lac Léman, voilà. Le lac Léman juste sur la gauche. Tiens, c'est. Qui demandait des avions. En fait là t'en as un ici. On aperçoit qu'il vient de décoller de Genève.
temps de vol, c'était 1h34. D'ailleurs, on va faire un petit report pour vérifier. Là, on arrive sur le point PAS. Il est prévu 13h21 UTC, donc voilà. En 40 minutes de temps en route. Et le point PAS, si je regarde sur mon plan de vol, il est là. Donc là, j'ai gagné une minute parce qu'il était prévu en 40 minutes. Voilà, très belle vue sur Genève, sur la gauche. L'aéroport de Genève, le lac Léman, la ville de Genève, le port de Genève. Bonjour, je suis Alpine 927 Tango avec vous au niveau 370 direct de Varec. Alpine 927 Tango Marseille, bonjour. Eh bien, continuez comme autorisé. On continue comme autorisé, 927 Tango. Marseille Contrôle, bonjour. Air France 71-12 a remonté vers le niveau 340 à 15 nautiques d'arc. Air France 71-12, Marseille, bonjour. Identifié, direct Tango India Sierra, monté niveau 340. Direct Tango India Sierra est monté au niveau 240, Air France 61. Ouais, Anto. Anto qui nous dit à beaucoup bonjour, de vent à Bastia. 34-56, on passe de 355 en montée vers le 370 sur Bituva. Air France 34-58, Marseille, bonjour, direct Bépère. Et là, on va. Direct Bépère, Air France 34-58. On va rentrer sur la vallée d'Aos. Très très joli. On a passé Genève, quasi verticale d'Annecy sur la droite, et en face la vallée d'Aoste direction Turin. Le lac d'Annecy. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that smoking is prohibited on board this aircraft. For safety reasons, you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated. As soon as we have reached our cruising altitude, we will start our service. Later, you will have the opportunity to buy selected products of famous brands from our Swiss duty-free shop. If you have any questions or requests, please do not hesitate to contact one of our cabin crew members. Waffen an Bord nicht gestattet ist. Aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, beginnen wir mit dem Service. Später haben Sie die Möglichkeit, exklusive Markenprodukte aus unserem Swiss Duty Free Shop einzukaufen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mesdames et Messieurs, nous aimerions vous rappeler qu'il est interdit de fumer à bord de cet avion. Pour des raisons de sécurité, vous êtes obligé de vous attacher lorsque vous êtes assis. Dès que nous aurons atteint notre altitude équatoire, nous commencerons notre service. Plus tard, vous aurez la possibilité d'acheter des articles de réputation mondiale parmi la sélection que nous vous proposons de notre vente à bord. N'hésitez pas à vous adresser à un membre de l'équipage pour toute information ou question supplémentaire. Un petit peu de turbulence parce qu'on approche des reliefs.
l'information, quel est le timing. On était prévu avec un fuel on board sur le point Rokia de 3 tonnes 4 à bord et là j'ai 3 tonnes 3. Donc on a 100 kg de moins. Donc j'ai cramé un peu plus. On a cramé 100 kg de plus. Pour les vents, il était prévu 12 degrés 55 nœuds, là j'ai... ouais c'est cohérent. Et pour la température, moins 56 degrés actuellement à l'extérieur. Et lui prévoyait moins 57. Le top of descente, il est prévu ici. Le début de descente, 115 nautiques de la destination, juste après le point Ixito. Donc on va regarder. Salut Louis, l'altitude 37 000 pieds. Ouais, merci Orelsan pour le retour. C'est vrai que des fois, avec le bruit des moteurs, on n'entend pas très bien. C'est des petits réglages micro à faire, mais merci pour le retour. Et bien sûr, météo en temps réel, hein, ça se confirme ici sur le Tepsi. Depuis l'île, on avait une météo dégagée. Hein. Avec des vents qui viennent du nord, nord-est. C'est bien ce qui était prévu en réel à cette altitude. Mirabel 17, Sierra Lima, la suite avec Bordeaux, fréquence 125, du final unité 05. Bon vol, monsieur, au revoir. Ah, la suite avec Bordeaux, ben, merci pour votre service, Mister Simi, à bientôt. Avec plaisir, salut. Alpine 67, Delta Tango, fin du service radar, changement de fréquence approuvé. Fini comme 128, Alpine 67, Delta Tango, merci pour le contrôle, bon dimanche. Air France 71-12, vérifiez votre altitude. Bon, moi j'ai mis 120 nautiques, ça me donne un top of descente au point, à peu près au point Laguen, on verra. Marseille, can we confirm our arrival for Ragazzo? I got Charlie Papa Lima Mike. Would you like the star? Say again, please, for Charlie Papa Lima Mike. Papa Lima Mike, would you like to have the star at Ajaccio? On va se mettre d'envoi avec vous, direct Varec au 370. Bonjour, je vous rappelle. Fit for the Charlie Lima Mike. Papa Mike, it's Negat to November, and the arrival runway is 20. Negat to November, runway 20, sorry, go Charlie, Papa Lima Mike, thank you. Hey, Gulf Québec, vous pouvez entamer la réduction de fil, c'est bon pour vous. Ok, donc on est vers les 230 pour le moment, je rappelle pour plus bas, 54. Alpine 927 Tango, Marseille, bonjour, maintenant level 370, confirm requested approach à Ajaccio. Ancien contrôle, bonjour monsieur, Alpine 67 Delta Tango avec vous, niveau de vol 370 et on confirme destination LFKB Bastia. Alpine 927 Tango, confirmez du coup que vous allez sur Bastia. J'ai pour vous, vous avez rempli un plan de vol pour Ajaccio. 927 Tango, c'est Ajaccio, monsieur. Ah oui, d'accord, il y avait deux. Donc Alpine 927 Tango, bonjour, confirmez le type d'approche désiré à Ajaccio. 927 Tango, on confirme bien qu'on est direct Varec au 370. Reçu et confirmé le type d'approche désirée à Ajaccio. J'ai programmé une VPC Alpha. Reçu, alors faites route sur l'Ajva.
Direct Las Vegas, 927 Tango. Et donc Alpine 67 Delta Tango qui appelle. Autant pour moi, bonjour monsieur, 67 Delta Tango avec Winnie Wagwell 370 sur destination Bastia. Alpine 67 Delta Tango reçu. Vous n'êtes pas encore chez moi, je vous rappellerai quand vous rentrerez dans mes espaces. Ouais, c'est reçu, Alpine 67 Delta Tango, bonjour. Air Algérie 1123, descendez 5000 pieds, QNH 1017. QNH 1017, on descend 5000. France 72, on a réussi à revenir, on est prêt au roulage. Pour la 31 droite. Suivez le roulage, on attend 31 droite. Ville de Turin. Merci à vous. En face. Ouais. Alors France, Golf Québec, confirmez que vous êtes sur établi à RNP Delta 22 droite. Alors, je vous vois un peu plus à l'ouest de la position. Oui, là, bon, sur Mike Novembre, 22 Delta à France 84 Golf Québec. AG1123, gauche, cap 090, après le trait de côte, descendez 3000 pieds, 10-17. Oui, Orelsan, c'est plus un simulateur, donc ça demande effectivement quelques notions. Et Louis qui veut un vol, à gauche, 050, Seattle, avec direction 130. San Diego. On peut le noter également. Merci. Décro Hotel, via Delta Smith, la descente cap, le cap 090, et la descente 3000 pieds, QNH 10-17. La ville de Turin. Cap 090. On descend 3000 pieds, on ira faire des bons vins. Correct. Anarchic Echo Hotel, runway 3-1 right from the intersection. Cleared for takeoff, call back direction with the wind. Wind 290 degrees, 7 knots. Cleared for takeoff. Via Atlantic, Echo Hotel. Request descent, Echo Charlie Papa Lima Mike. Charlie Papa Lima Mike, descent level 150. Down to 150, Echo Charlie Papa Lima Mike. Air France, Gulf Québec, autorise atterrissage 22 droite, 200 degrés chineux. Autorise atterrissage 22 droite, 750 degrés. Ouais, t'as deux stades. Un petit peu plus loin, on aura lancé Alessandria sur la gauche. Et on approche du top of descente. On verra avec le contrôle pour demander le début de descente vers notre destination qui est Bastia. Fix Echo Hotel, identify clam level 140, call you back in 2 minutes for shorter. 140 et call you back in 2 minutes for shorter, INR, Fix Echo Hotel. Transition altitude 6200. Ah, quand c'est 43 vents, on demanderait si ce serait possible de descendre, s'il vous plaît.
Corsica 4320, descendez niveau 150. On descend 150. On va regarder le métar pour la météo sur Bastia actuellement. Donc on a des vents 350 degrés. 11. Température de 17 degrés. Je pensais qu'il ferait plus chaud. Et un QNH actuel 1016. Et on a des rafales à 25 nœuds. Latitude de décision pour l'approche RNP piste 34. LAVNAV catégorie C, on va mettre 320. Donc à cette altitude, si je ne vois pas la piste, on sera forcé de redécoller. Et comme il fait beau, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. On approche du top of descente, donc on va pas tarder à demander au contrôleur. On avait turbulence prévue au courant Lagan. Québec, roulé Charlie, poste 40, Charlie, bonne fin de journée à vous. Lagan, c'est ici. Charlie, 48, je pense que je contrôle. Bonne journée, au revoir. 94, donc là, on va attacher les passagers parce qu'on prévoyait des turbulences à ce niveau-là. Arrivé 11-23, direct Bilbao, autorisé RNP Alpha, 4 gauche. Autorisé RNP, on carte RNP, gauche. Alors, Fico Hotel, clam level 200 de cette course, Mamès. Bonjour Mirabel, 1207. 1207, bien bonjour à vous. Au niveau 370, on passe. Bon, on approche des terres. Station Calling à 2 Saint-Anne, Mirabel 1207. Et Mirabel 1207, oui bonjour, on est sur Nice, on demande un départ pour Bastia. Et Mirabel 1207, mise en route approuvée, Saudry 7 Alpha 4 droit, transpondeur Nice. Droite, c'est le patron d'armée Mirabel 207.
Ah ben 207, Corée de Car France 3458, Marseille, bien le bonjour, bienvenue dans la fréquence des gens sympas, maintenez le 370, direct Varec confirmé, c'est le type d'approche désiré à Ajaccio. Alors on fait une direction Varec, on maintient le 370 et on serait preneur d'une RMC 20, la nouvelle là, à Ajaccio si possible, qui a Kilo-Juliette 600, ah, si possible. Eh bien, France 3458, c'est encore mieux pour vous, direct Kilo, Juliette 601, rappelé pour descendre. Eh bien, c'est parfait tout ça, on procède sur Kilo, Juliette 601, on rappelle pour descendre, France 3458, merci beaucoup. Quand c'était à 4320, appelez Ajaccio 21050, bonne fin de journée. Et on contacte Ajaccio approche, on vous remercie pour le contrôle, bonne journée à vous, au revoir. Merci bien. Écoute Charlie, papa Lima Mike, contacte Ajaccio approach, 131, on a passé le top de descente, on va débuter notre descente. 121, Charlie Mike. Bonjour à Algérie, 1123. Il n'y a plus de turbulence, on va pouvoir décrocher les passagers. Algérie, 1123. Alors, confirmez que vous avez pris la directe Bisbo pour vous établir sur la RNP 4 gauche. C'est pas grave, tournez à gauche, cap 280 initialement, est-ce que vous voulez faire une finir à vue? Début de descente. Ryanair fixé qu'hôtel Clamp la Lontrie. Clamp la Lontrie 410. Clamp la Lontrie 410 Ryanair, ok. Air Algérie 1123, parfait. On a un avion ici, un trafic. Ok. Air Algérie 1123, oui, effectivement, je suis complètement planté sur ma marche à l'accord. Je voulais que je prenne un cap 280. Alors, je peux vous donner la 22 droite ou la 04 gauche. Enfin, il n'y a pas de trafic, donc c'est vous qui voyez. On va prendre la 22 droite, s'il vous plaît. Reçu, alors à droite, correction à gauche, cap 330. Au point tortue, une contrainte d'altitude pas au-dessus de 14. À gauche, 330, c'est la liaison. Alpine 927, question Alpine 927 Tango, direct Idole. Direct Idole 927 Tango, et on serait prêt à des. Effectivement, il affiche bien la contrainte. Et Alpine 927 Tango, descendez niveau 150. Niveau 150 à 127 Tango. Air Algérie 1123, poursuivez à gauche, cap 300. Le terrain dans vos 9 heures pour 13 nautiques. Rappelez en vue. À gauche au 300. Et on rappelle de l'installation en vue. Air Algérie 1123. J'approche à vue 22 droite, je confirme 22 droite, rappelez final, numéro 1. On vous rappelle en finale de la 22 droite, air Algérie. On a le trafic qu'on avait sur notre radar, il est ici. Bon, repoussage, Mirabel 207. Mirabel 207, repoussage, mise en route approuvée. Je vais vous dire...
un Boeing 747 qui va à Genève. Malte, Genève. Alpine 67 Delta Tango, donc bonjour à vous, direct Bastia, bravo Tango Alpha, qui sont les niveaux 150, qui est les Zulu 34. Direct Bastia, on descend niveau 150, et est-ce qu'on pourra avoir la RNP piste 34 Alpine 67 Delta Tango? Alpine 64 Delta Tango, c'est si gentiment demandé, je ne te refuse pas. Vous prévoyez donc la RNP Alpha, pardon, la RNP 34, direct Copa. Direct Copa, RNP, piste 34, Alpine 67 Delta Tango, merci. Avec plaisir. Donc voilà, direct Copa, BTA Copa. Turkish 25 Echo, second free. On descend au 150. Copa, on va regarder. Voilà, c'est le point qui est ici. Donc on voit que le plan de descente, on doit être obligatoirement à 2400 pieds. Et puis après, c'est une descente. Descente à un angle à 3 degrés dans l'axe de la piste qui est orienté au 340. Beaucoup de vent prévu sur Bastia et on aperçoit déjà les côtes corses. RLG 23, finale de la 22. RLG 11, 23, piste 22 droite, autorisé à atterrissage, vent 190 degrés, 5 nœuds. Autorisé à atterrissage, 22 droite, RLG 11, 23. Alpine 67 Delta Tango, descend à niveau 100. Niveau 100, Alpine 67 Delta Tango. On n'est pas sur une approche GLS, donc on n'active pas le landing system. Chaque liste descente, on va activer l'autobreak en mode low. Paramètres carburant, c'est vérifié. Je suis à 2800 kg. On va désactiver radar météo. Mes données approchent, elles sont rentrées.
Eh ben, 67 Delta Tango, appelez Basse-Pierre 23 8 25, bonne fin de journée. Avec Bastia 123 8 25 Alpine 67 Delta Tango, merci. Alpine 927 Tango, appelez Ajaccio 21 050, bonne fin de journée. Bonjour sur Ajaccio, merci beaucoup monsieur pour le contrôleur. Au revoir. Algérie 11 23, eh bien vous avez un poste de préférence Négatif, parfait. RAG 1123 reçu, première à droite, uniforme, roulé. Ah, Bastia approche, bonjour monsieur, Alpine 67 Delta Tango avec vous, niveau de vol unité 3-0 vers le niveau 100. Alpine 67 Delta Tango, Bastia, bonjour. Ok, pardon, j'ai pas vu l'esprit du contrôleur d'avant. Descendez altitude 5000 pieds, QNH 1016. On descend 5000 pieds QNH 1016 Alpine 67 Delta Tango. Merci. Prepare the cabin for the landing. Please make sure that your hand luggage is stowed safely and the overhead compartments are under the seat in front of you. At this point, we would like to remind you of the possibility to make a donation for the SOS Children's Villages. Meine Damen und Herren, wir werden nun die Kabine für die Landung vorbereiten. Bitte versichern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist. An dieser Stelle möchten wir Sie an die Möglichkeit erinnern, einen Beitrag für die SOS Kinderdörfer zu spenden. Mesdames et messieurs, nous allons à présent préparer la cabine pour l'atterrissage. Veuillez vous assurer que tout votre bagage à main soit dans les compartiments à bagages ou sous les sièges devant vous. À cette occasion, nous aimerions vous rappeler la possibilité de faire un don pour la village d'enfants d'SOS. So, gentlemen, please return to your seat and fasten your seat belts. We also ask you to put your seat back in the upright position and to fold away your table, as well as your legs and video screen. Thank you. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie wieder Platz zu nehmen, Ihre Sitzgurte zu schließen. Bitte stellen Sie Ihre Sitzlehne senkrecht und klappen Ihren Tisch, die Fußstütze und den Bildschirm zurück. Danke. Mesdames et messieurs, nous vous prions de regagner votre siège et d'attacher votre ceinture de sécurité. Veuillez également redresser le dossier de votre siège en position verticale et rabattre votre tablette, ainsi que votre appui-pied et l'écran individuel de vidéo. Merci. Active la phase d'approche. On va passer en réduction.
Verviers en Corse. Très très beau. Stabilisé 5000 pieds. Alors on avait 1h34 de temps en route, là j'ai 1h16, donc pour l'instant on est bon. On a déjà pas mal de vents hein, qui viennent de l'est. Alpine 67 Delta Tango, stabilisé 5000 pieds. Alpine 67 Delta Tango, descendu 3400 pieds, passant copo autorisé RNP piste 34 et plus. Descend 3400 pieds, autorisé RNP piste 34 et on rappelle pour la finale Alpine 67 Delta Tango. À la verticale du terrain. Voilà l'aéroport de Bastia pour état. Début de descente. Monsieur, notre descente est débutée. Veuillez regagner votre siège pour vous aller chercher votre étranger dans les coffres. L'allée dans son terrain avec Pagan à Wallace. Madame, monsieur, notre atterrissage est imminent. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette, le propre gobelet et votre repose-pied. Débrancher tout câble de la prise PC USB de votre siège et ouvrir tous les câbles hublots. Il est interdit de fumer et la cigarette électronique n'est pas autorisée. Nous vous recommandons de lire la notice de sécurité placée devant vous et vous rappelons qu'en cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages. Ladies and gentlemen, we'll be landing shortly. Please fasten the adjuster belt. Please put your seat back for your flight. Steering table, the cup holder and your foot rest. Disconnect anywhere from the in-seat PC or USB socket and open all the blinds. E-cigarettes are not permitted and smoking is prohibited. Recommend that there is a safety card in front of you. I remember that in the event of evacuation, you must leave all your baggage behind. On autorise approche RNP piste 34. Donc l'avion suit bien son plan de vol comme prévu. Là il va descendre à 2400 pieds. On va faire la réduction de 220 nœuds. Donc Copa 2400 pieds, 220 nœuds. La B404. Ok.
et IKB 34 qu'on doit être à 2400 pieds obligatoirement. Et après début descente au point FKB 34 à 3 degrés de descente. Alors on pourra sortir les volets à partir de 202 nœuds. On va armer les spoilers. On va réduire 200 nœuds, comme ça on va pouvoir sortir un premier cran de volée. Speed check. Speed check, flaps one, un cran de volée. Alors on avait 1h34 de temps en route. Et notre arrivée était estimée à 16h09 local. Je vous rappelle qu'on est parti avec 20 minutes de retard. Donc là j'ai mon VOR Bastia qui se situe à 15 nautiques. On va réduire 180 nœuds. Check flaps 2, on va sortir un deuxième cran de volée. Et donc au point FKB 34, début descente à 3 degrés. Donc on va préparer ça. On va descendre jusqu'à 1000 pieds. Avec un angle de 3 degrés. Donc on est passé en mode track FPA. FPA pour Flight Path Angle. J'attends d'atteindre le point FKB 34 pour débuter le plan de descente à 3 degrés. Là je vais réduire 160 nœuds. Une descente à 3 degrés d'angle, flight path angle 3 degrés, ce qui normalement donne une vitesse de 160-849 pieds minute. Voilà. La piste en vue, on va viser la cabine. Alpine 67 Delta Tango, on est full établi, RNP piste 34. Alpine 67 Delta Tango, autorisé atterrissage piste 34, 360 degrés. Autorise atterrissage piste 34, Alpine 67 Delta Tango. Donc le vent 360 degrés 10 nœuds. On avait des rafales qui étaient prévues également. On verra. Autorise atterrissage 6 nautiques. On va sortir le train.
en sortie, c'est vérifié. Speed check flaps full. On va passer en vitesse gérée. Speed check flaps full. Take off, j'ai le visuel, on est full établi. Autopilot off. Autopilot off, j'ai les commandes. Minimum. Continue. Retard, 10, 5. Touché, inverse. Avec la tour Alpine 67 Delta Tango, piste dégagée, Virico. Alpine 67 Delta Tango, retour Alpha 6 via Echo et Alpha. Porte Alpha 6 via Echo et Alpha, Alpine 67 Delta Tango. Bienvenue à Bastia. Température de 17 degrés et temps parfaitement clair. Et merci d'avoir voyagé avec U-Pilot. Ladies and gentlemen, welcome. You may not deactivate any flight module devices. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Donc sur le temps en route, là on voit que j'ai mis 1h27 de temps en route. We thank you so au lieu de 1h34. Air France and its Skytea partners wish you a very pleasant day and an acceptable phone watch if you are in transit to another flight. Thank you and goodbye. Madame, monsieur, bienvenue à vous. Sur le carburant, j'ai 2 tonnes 4 à bord et lui prévoyait également 2 tonnes 4 à l'arrivée. Jusqu'à l'extension de la consigne. Nous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture du coffre. Alors il m'a dit Echo et Alpha, porte Alpha 10, c'est la... Non, Alpha 6. Au revoir, merci et à très bientôt. Alpha 6, donc 1, 2, 3, 4, 5e porte sur la droite.
est sur le timing. On était prévu donc 14h09 estimé et prévu 14h10 exactement sur les écrans, et donc on arrive à 14h12-13 quasiment, malgré le retard depuis Lille, les 20 minutes de retard. Salut, merci Julien. Ah bah parfait, c'est indiqué au sol, Alpha 8. On va couper le moteur numéro 1. Alpha 6 sur la droite, taxi light off. Je vais activer l'APU bleed. PNC, dernier virage. Chrono. Parking brake serré, on coupe le moteur 2. Et comme j'ai débarré la PU entre temps, évidemment, l'avion perd pas d'énergie, même avec les moteurs coupés, puisqu'on a démarré notre APU. Voilà, vous êtes libéré de ce vol. Fuel pump off. Là vous voyez que sur le block time, c'est-à-dire le temps total depuis la porte de départ jusqu'à la porte d'arrivée, j'ai bloqué mon chrono à 1h37. Et lui en fait il prévoyait 1h54. Ça veut dire que si on serait parti en fait à l'heure, on serait arrivé bah, 54 moins 37, on serait arrivé 20 minutes avant. Mais comme on est parti avec 20 minutes de retard, bah, on arrive quasiment à l'heure. Donc on aura quand même réussi à gagner du temps. Sur notre vol, c'était le but, on arrive, on va dire à l'heure. Bon, c'est un bus qui va venir, non ça va être à pied directement, direction le terminal. Merci à tous d'avoir suivi ce vol proposé, c'était un vol proposé entre Lille et Bastia. J'espère qu'il vous aura plu et puis on est en train de faire d'autres vols, vols proposés sur la chaîne YouPilot, sur Facebook, Twitch et YouTube. Je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques, à très bientôt. Salut les pilotes!